Bonjour tout le monde, c'est Maddy. Alors, je reviens vers vous. Je vais enfin avoir un peu plus de temps pour vous faire quelques vidéos jusqu'à la fin de l'année. Voilà. Puisque je finis mes consultations cette semaine et les enfants vont être en vacances. Donc, évidemment, je ne vais plus avoir besoin de m'occuper d'eux. Bon, alors. Ce qui arrive à Abigail, c'est très préoccupant quand même. Je pense que puisque, enfin, vous la connaissez certainement, hein. Je pense que vous penserez comme moi à ce sujet. On va regarder un petit peu ce qui se passe. Alors, je ne veux pas faire des tirages sur Abigail, parce que ce serait, me semble, plutôt impoli, hein, de faire un tirage sans demander l'avis de la personne. Mais je vais faire un tirage sur les personnes qui l'agressent. Ça, je crois que j'ai le droit de le faire. Et on va regarder un petit peu quelles sont leurs motivations. Alors, je sais pas pourquoi je prends le tarot, j'avais pas envie de prendre le tarot aujourd'hui. Je vais prendre le jeu des roues, qui est un jeu un petit peu qui montre les relations entre les personnes, donc ça peut être intéressant. Je ferai un petit test avec l'oracle de divinescence. Alors, je commence tout doucement avec cet oracle, puisque il faut quand même un certain temps, hein, afin de se familiariser avec un jeu, mais on va voir ce qui sort. Et j'ai le chat qui fait le fou derrière moi. Donc, si vous entendez des petits bruits de grattement et tout, bah, c'est qu'il s'amuse, voilà. Je ferai une petite vidéo à son sujet, d'ailleurs, parce que c'est quelque chose d'assez extraordinaire qui m'est arrivé. Enfin, voilà. Bon, alors, revenons aux personnes qui ont agressé Abigail, qui l'ont dénoncé à certains organismes que je ne vais pas nommer ici, mais qui sont quand même des organismes, on va dire, qui interviennent en cas de harcèlement ou de fraude, hein, voilà, on va dire ça comme ça. Donc des organismes quand même assez, on va dire, assez impressionnants, hein. On va pas, en fait, dénoncer des gens, des organismes-là tous les jours, hein, bon, pour une querelle de voisins ou autre, hein, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est quand même très grave ce qui arrive. Et donc je vais regarder ces personnes. Alors j'en connais deux. J'ai quand même été me renseigner un petit peu de savoir de qui il s'agit. Il y en a une que je connaissais déjà, je vous en parlerai 2 secondes après. Et il y en a un autre que j'ai découvert. Voilà. Mais on va regarder. Donc j'ai ces deux personnes-là en tête, je ne vais pas donner de nom. Pourquoi? Ah, j'ai une carte de mouton qui s'est retournée, ok. Les moutons que l'on fait rentrer dans l'enclos. D'accord, ça peut donner une indication. Donc l'envie de faire rentrer les moutons dans son enclos. Attendez, je vais saper la caméra. Donc l'envie de ramener peut-être des gens vers une certaine communauté, hein, je dis ce qui me vient. Hein. Bon, j'ai le chat qui est derrière moi, c'est pas grave. Attendez, je vais faire pause parce que je crois qu'il va faire un peu de bruit. Voilà, il a fini de faire son fou. Alors, il y a encore une carte qui s'est retournée, décidément. Alors, j'ai une question de miroir. Alors, miroir, c'est tromperie, hein, par exemple. Ou c'est l'ego. Bon. Ah, le jeu d'eau, il est très en forme ce matin. Alors, quelles sont les motivations de ces personnes? Pourquoi tant d'agressivité? Pourquoi tant de haine, hein? Pourquoi cette dénonciation? Ok, en vert habillé. Alors, bah tiens, justement, et j'ai mélangé le jeu. Hein. Encore les moutons et le tribunal. Bon, là, il y a vraiment des questions de jugement. J'ai l'impression que vous ne voyez pas trop. Voilà, on va apporter la lumière. Hein. Donc, les questions de tribunal et de jugement. D'accord. Donc cette carte-là est aussi parlante. Hein. On va regarder ce qu'il y a en dessous éventuellement. Un fardeau que l'on porte et un discours. Alors ça, à mon avis, c'est par exemple l'harmonie. C'est par exemple la façon d'être de Abby, hein, qui est toujours dans la convivialité, dans la gentillesse. Voilà. Ouais, je suis en train de chercher d'autres mots pour ce que j'ai envie de vous faire comprendre, mais c'est aussi quelqu'un qui rassemble. Hein. Mais moi, ce qui me vient en tête, c'est vraiment l'harmonie. C'est vraiment une communauté, voilà, dans laquelle, eh bien, on a une certaine harmonie, on établit une certaine convivialité. On rassemble les gens, ici. Et vous voyez ici, il y a un jugement avec un fardeau. Bon, ok. Alors, on va se rapprocher tout doucement. Le jugement, à mon avis, c'est de l'autre côté, hein. C'est-à-dire qu'elle est jugée par rapport à l'harmonie qu'elle établit avec sa communauté et il y a un fardeau qu'on lui impose. Je vous traduis, hein. Excusez-moi, parfois j'ai un peu trop vite. Alors, je me repose la question dans la tête, hein, d'accord? Ok. Alors, pourquoi cette dénonciation? Pourquoi tant d'agressivité? Pourquoi tant de haine?
De la part de ces... Alors, je crois qu'il y a trois personnes, mais j'en connais deux, moi. On va faire un tirage en croix. Alors, ici, il y a une séparation. OK. Et en face, il y a les embrassades, donc le côté amical. Donc, ça, c'est bien en contre. On peut y voir, d'ailleurs, ces personnes en contre qui se soutiennent entre elles. Ici, il y a un conseil qui est demandé ou des reproches, difficile à dire. Ah, et là, il y a le serpent. Hein. Oh là. Mais pas sort pas mal, mon petit jeu de haut. Allez, on va remettre des grandes cartes. Hein. Je sais que vous aimez bien aussi. Excusez-moi pour les petits bips dans mon téléphone. Il y a plein de gens qui m'écrivent ce matin. Ça arrive. Enfin bon. Alors, une séparation. Chacun prend son chemin. Donc, ça veut dire, à mon avis, il y a déjà eu connaissance entre Abby et ces personnes-là et leurs chemins se sont séparés. Je pense hein, qu'il y a quelque chose comme ça. Et là, en contre, ben, il y a eu des personnes qui ont été vers ces gens-là. Encore une fois, je n'ai pas donné de nom. Hein. Bon, je pourrais chercher à savoir qui c'est. On va dire ces gens-là, on va dire, OK. Qui sont entre eux. Et de l'autre côté, il y a séparation avec le chemin que Abby a suivi. Enfin, j'ai l'impression vraiment que Abby connaissait ces gens-là et que leurs chemins se sont séparés. Bon. Ici, il y a un conseil qui est demandé, mais on arrive à une trahison. OK. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'on peut avoir comme autre carte. Toujours par rapport à ce qu'il lui reproche. Hein, pourquoi est-ce qu'il y a cette dénonciation? Alors, douleur. OK, donc séparation dans la douleur. Donc, il y a des choses qui ne sont pas bien passées entre Abby et ces gens-là. Devoir. Bon, devoir. Alors, devoir de se retrouver. En tout cas, il y a un devoir. La notion de devoir, peut-être. Ils ont considéré que c'était de leur devoir de faire du mal, peut-être, hein, à Abby. Contrainte, donc il y a une contrainte qui est exercée ici, c'est vrai, et disgrâce. Bon, bah écoutez, il y a la volonté très nette, effectivement, de discréditer Abby avec des notions de devoir. Donc c'est curieux parce que ces gens-là, on a l'impression qu'ils sont investis d'une mission. Alors attention, j'ai pas dit qu'ils avaient raison, hein. On avait là la carte du miroir tout à l'heure. Mais ce sont des gens qui considèrent qu'ils ont eu raison de le faire. Pour la mettre en disgrâce et pour lui imposer une contrainte. Donc, en fait, ils veulent la rappeler à l'ordre. Alors, pourquoi? Elle n'a pourtant rien fait de mal, notre Abby, au contraire, hein, puisqu'elle est vraiment dans l'harmonie et la gentillesse. On est d'accord, hein, on se comprend bien, les amis. Hein. Donc, en fait, pour moi, il y a une espèce de... Mais tu vas être sage, toi? Excusez-moi. Il y a une espèce de vraiment d'aveuglement, de se dire, ah ben non, il fallait qu'on le fasse, c'était notre devoir. Pour moi, c'est ce que je vois. Hein. Bon. On va aller creuser un petit peu pourquoi est-ce qu'ils pensent ça. Mais voyez que le serpent, en fait, on voit très très bien que c'est pas du tout leur devoir. Hein, que c'est plus une volonté vraiment de faire un coup en douce. Hein, le serpent, c'est vraiment la carte de la méchanceté et de la trahison. Ah, je crois que je commence à comprendre où le bât blesse. Alors, ici, go. Ici, ouais. Et là. Ok, bon. Alors, moi, je pense que notre chère Abby, mais bon, elle n'est pas la seule parce que moi aussi, d'autres personnes aussi, on a pris quand même une certaine position par rapport à une certaine, comment dire, pique. Hein? Voyez ce que je veux dire? Il y a le côté des soins qui ressort. Et je crois que ça n'a pas plu à ces personnes-là. C'est pour ça qu'elles considèrent que c'est leur devoir de exercer une contrainte pour mettre Abby en disgrâce. Voilà, donc le go, c'est qu'elles se sont aussi donné la permission de le faire. Et que c'est aussi par rapport à une prise de position, où là, il y a nette divergence. Donc il y a eu une prise de position là par rapport à ce que je viens de dire, qui n'a pas plu. En tout cas, ça ressort. Ici, au niveau de la séparation entre Abby et ces personnes-là, ben, il faudra qu'elle confirme, mais je pense vraiment qu'elle se connaissait. Il y a eu des choses malhonnêtes qui ont été faites. Donc, du coup, il y a eu séparation des chemins. Alors, ici, on va regarder ce que c'est. On va remettre des grandes cartes. Hein. Voilà. Coupable, ben voilà. Donc, devoir est coupable. Pour moi, Abby s'est rendue coupable d'une prise de position par rapport à ce que le truc qui fait mal. Ici,
Stop. Alors, stop and go, hein. Donc, ça veut dire qu'en fait, ces personnes-là veulent exercer une contrainte. Et vous voyez, il y a des remontrances, là, vous voyez, la carte. Il y a des remontrances qui sont faites, en fait, par rapport à la personne. Donc, il y a des remontrances qui sont exercées contre Abby et une contrainte de l'arrêter. C'est-à-dire un go, un feu vert pour l'arrêter, pour la mettre en disgrâce. Et même, il y a eu des menaces qui ont été faites. Par rapport à elle et sa, alors sa communauté peut-être pas, mais par rapport à elle, je dirais. Ici, alors mère, je ne vois pas trop ce que ça veut dire ici. Mère, c'est le côté maternel. Je ne sais pas pourquoi j'ai mère qui est sortie. Parfois, je ne comprends pas trop mère, père, vous voyez. Je dis, c'est un jeu psychologique. Le côté maternel, on va regarder ce que c'est, ce qui s'est passé. Ou le côté peut-être un petit peu personne ayant une certaine autorité. Ouais, je pense hein, que ça doit être ça. C'est vrai qu'Abby donne quand même une image quand même assez maternelle. Et il y a eu quelque chose ici qui s'est pas bien passé. Alors, donc, il y a des prises de position par rapport à la pique-pique. Ça leur a fortement déplu à ces gens-là. Donc moi, je pense qu'ils sont pique-piqués, hein. Ouais. Donc ça, c'est la séparation encore une fois. Superman. Et alors ça, on peut y voir éventuellement les questions un petit peu justement de communauté ou d'internet. Donc je reprends. Excuse-moi, je me suis déconcentrée entre-temps. On va remettre encore des grandes cartes pour la fin de l'histoire. Mais pour moi, ce qui a déplu à cette communauté-là, parce que c'est aussi une communauté, hein, en tout cas, ils ont des communautés eux-mêmes, ces gens-là. C'est la prise de position par rapport aux soins. Et ça leur a fortement déplu. Chagrin. Ah voilà, vous entendez mon chat. Alors, ouais, c'est-à-dire qu'en fait, il y a eu quelque chose qui a été arrêté ici. Oui, donc en fait, ça, c'est quand on fait une pause. Donc en fait, ça les a chagrinés. Quelque part, que cette prise de position de Abby par rapport aux soins, eh bien, ça a empêché les gens d'aller plus loin. Tu veux être sage, toi? Ça a empêché les gens d'aller plus loin dans, justement, la pique-pique. Il y a un travail de prévention qui a été fait, que j'ai fait aussi, d'ailleurs, hein. Donc, en fait, c'est une histoire encore de pique-pique contre les non-pique-pique. Danger. Non, mais en fait, ils veulent vraiment la séparer de sa communauté, hein. Elle est un danger pour les gens. Enfin, selon eux, attention, hein, je suis de leur côté. Enfin, je suis de leur côté. Je suis pas de leur côté du tout. Mais là, je raisonne par rapport à ce que eux, ils pensent. Hein, attention, hein. Moi, je suis du côté de Abby. Bon, enfin, je vous montre le tirage. Donc, en fait, elle est un danger pour d'autres personnes. Donc, ils veulent la séparer de sa communauté. Voilà, communauté qui a une fascination pour ce que dit Abby. Non, mais c'est vraiment ça, en fait. Et là, super. Ah, bah, c'est marrant, on a mère et père. Bon, bah, on a les deux parents, là. Donc, séparation. Donc, ça, c'est Superman. Alors, comment est-ce qu'on va comprendre ces cartes-là? Donc, il y a eu un rôle que Abby a joué, à mon avis, par rapport à ces gens qui ont été malhonnêtes. C'est curieux, il y a vraiment eu des questions de remise à l'ordre ou de remettre à l'ordre ici. Il y a des choses malhonnêtes qui ont été faites. Et je pense que Abby, à quelque part, elle a dit ce qu'elle pensait par rapport à ces gens-là. Hein. C'est les parents, en fait, les parents recadrent. Hein. Bon, j'essaie aussi de comprendre un peu les cartes. Hein. Père et mère, c'est pas trop évident dans ce tirage, je dois dire. Je vois vraiment le rôle d'autorité ici. D'ailleurs, on a bien encore l'histoire d'autorité par rapport à des gens malhonnêtes. Donc, reprenons. Ces gens-là ont dans le passé eu une relation amicale certainement avec Abby. Il y a eu des choses malhonnêtes qui ont été faites de la part de ces gens-là. Et Abby les a recadrés, très certainement. Et ça leur a pas plu. Bon, ça c'est la première chose que je vois. La seconde chose, c'est que Abby a une communauté qui la suit. Et les prises de position de Abby par rapport à ce que vous connaissez le tout qui pique là, eh bien, ça ne leur a pas plu du tout à ces gens-là. Il considère qu'elle s'est rendue coupable quelque part d'influence, hein, en empêchant les gens, parce que là c'est quelque chose qu'on met de côté, oui, on arrête, en empêchant les gens de le faire. Et du coup, eh bien, ils ont considéré que c'était de leur devoir d'exercer une contrainte sur elle pour l'arrêter.
Voilà, stop, go, stop. Hein. Donc on donne le feu vert pour l'arrêter et parce qu'elle est un danger. Donc ils veulent la séparer de sa communauté. Communauté qui considère étant fascinée par elle. Donc c'est comme si en fait il la menaçait quelque part de gourou, quoi. C'est très curieux. Hein. Et là, on voit très bien qu'il y a le serpent, et ça c'est eux, c'est leur action. Le serpent, c'est la traîtrise pour la mettre en disgrâce. Bon. On a un peu plus d'idées de ce qui se passe. Donc en fait, c'est encore la fameuse guerre pique-pique, contre-nom pique-piqué, quoi. C'est incroyable. Mais c'est ça en fait ce qui se cache derrière. Alors, on va demander s'il y a d'autres raisons éventuellement. Alors, est-ce qu'il y a encore autre chose? Donc, on va regarder de leur côté là, hein, parce qu'ils sont par là. On va mettre deux cartes hein, pour voir un petit peu. Alors, enfant que l'on tient par la main et le maître d'école. Ok. Est-ce qu'il y a encore autre chose? Se vanter, propagande, se vanter, d'accord. Et hésitation. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Oui. Il y a aussi, alors ça, ce sont les gens qui sont en contre. Attendez, je vous montre bien, excusez-moi. Hein, toujours les gens qui l'ont discrédité, on est d'accord. Hein. Ces gens-là, en fait, ont un ego qui est assez fort puisqu'ils sont dans la vantardise. Ils se vantent. Hein, ils agissent un peu comme un parent qui donne la main à des enfants. Ça veut dire aussi que quelque part, ils infantilisent les gens qui les écoutent. Ce qui n'est pas une bonne chose. Hein. Je trouve que quand on a une communauté, eh bien, on doit s'exprimer à notre communauté de façon respectueuse, humoristique, pourquoi pas, c'est ce que je suis aussi, ou amicale, mais jamais en les traitant comme des enfants. Or, ici, ces personnes-là sont dans la vantardise et infantilisent leur propre communauté. Hésitation. Alors, le maître d'école et hésitation. Donc là, on va les recouvrir un petit peu. Ça, là, j'ai bien compris, c'est la plus difficile à comprendre. Est-ce qu'il y a autre chose? Cette carte-là, maladie. Ah ben c'est toujours la même chose. Hein. Ça leur a vraiment, vraiment, vraiment pas plu. Hein, les prises de position de Abby par rapport. Ah oui, je sais ce que c'est. Ça y est, je viens de comprendre. Ah ben il me faut le temps. Hein, par rapport à la prise de position. Hein. Alors attendez. Il me reproche aussi. Oui, c'est ça. Il lui reproche aussi d'aller contre le discours. Des scientifiques, hein, le maître d'école, c'est les gens qui ont une certaine autorité. Voilà, parce que pour eux, ils considèrent que, encore, c'est toujours les questions de maladie, hein, les questions de pique-pique, eh bien, c'est dans une bonne intention. Voilà, ils ont été bienveillants par rapport donc au coco, hein, on peut y voir éventuellement même les gens malades du coco, et ils considèrent que, en fait, il fallait suivre sans hésitation. Sans hésitation, les discours de ces scientifiques-là. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment vraiment ça qui leur pose problème. Hein. Je suis sûre que eux-mêmes, encore une fois, sont pique-piqués et que eux-mêmes comment dire, défendent le discours de tous les médecins qui ont influencé pour pousser les gens à faire ce truc. Hein. C'est ça, hein, mais c'est ça qui leur pose problème. Bah, Abby, elle a quand même une communauté qui est pas loin de 70 000 personnes, donc c'est quand même pas mal d'influence. Hein. Et ça les embête. Hein. C'est quand même fou. Hein. Bon, alors, donc, c'est surtout que ce tirage-là est bon, il est pas mal sorti. Je m'envoie pas des fleurs, hein. Je remercie mes cartes. Il est pas mal sorti parce qu'il nous montre quand même quelque chose dont on n'avait peut-être pas conscience, hein, qu'il y a aussi des histoires de ça derrière. On va demander s'il y aura un retour de bâton pour ces gens-là. Donc, qu'est-ce qui va leur arriver? Donc, j'ai bien les deux personnes en tête. Parce qu'on ne peut pas non plus dénoncer les gens sans prise de responsabilité hein, par rapport aux dénonciations. Enfin, normalement. Hein. Alors, ces deux personnes-là. Non, je ne vais pas couper. On va continuer sur le tirage. Est-ce qu'il va y avoir des conséquences pour elles? Alors, il y a une espèce de tourbillon. Donc des choses que l'on ne contrôle plus, il y a des sanctions et il y a des écrits. Donc là, il va y avoir des courriers qui vont être faits. Encore une fois, j'espère que vous voyez bien. Pas beaucoup de lumière aujourd'hui. C'est assez sombre dehors. Donc déjà, là, les cartes sont claires. C'est qu'il va y avoir des sanctions à leur égard. Puisqu'ils ont dit n'importe quoi, le tourbillon. Bon, voilà. Ils ont provoqué
quelque chose dans lequel, eh bien, on est entraîné, hein, qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne contrôlent pas, pardon. Humiliation, étranger, ouais. Il faut, bah voilà. Bon, on va vraiment les avoir accusés d'avoir fait des fausses déclarations. Et étranger, c'est aussi le fait que c'est, ça n'a rien à voir avec, hein, c'est étranger à la vérité. Moi, je dirais ça comme ça. Hein, c'est pas l'étranger, étranger. C'est étrange ou étranger, si vous voulez. Étrange, étranger. C'est qu'en fait, ce qu'ils ont dit, c'est du n'importe quoi. Donc, ils vont être humiliés parce que il n'y a pas de rapport entre ce qu'ils ont dit et la vérité. Il y a une marge. Hein. Et donc là, c'est faux. Donc, à mon avis, ils vont avoir, tic, 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 le bâton pour se faire battre. Hein. Alors, est-ce qu'il peut même y avoir éventuellement un dédommagement, pardon, un dédommagement financier, ce qu'on appelle des dommages et intérêts. Vous voyez, j'ai retrouvé. Est-ce qu'il va y avoir des dommages et intérêts, donc sous forme de monnaie? Donc, est-ce qu'ils vont être condamnés à quelque chose, ces gens-là? Parce qu'il y a quand même ici, un courrier qui va leur dire que ce qu'ils ont dit, c'était faux. C'était étranger, même, donc ça n'avait rien à voir avec ce qu'ils ont dit. Et ils vont être humiliés, à mon avis. Hein. Donc, est-ce qu'il va y avoir éventuellement des choses à verser? Eh ben, écoutez, oui. Hein. Ils vont avoir des petits soucis auprès de la gendarmerie, je pense. Hein, parce qu'ils ont crié pour rien. Hein. Ils ont crié au loup pour rien. Alors, attendre. Ouais, expert. Ben voilà, donc les experts vont intervenir. Alors, attendre, on va regarder ce que c'est. Ouais. Là, on crie au loup, on attend. On attend quoi? La clé. Ah, ça, c'est la solution. Alors, ça veut dire qu'en fait, attendre, ça veut dire aussi qu'il y aura un peu d'attente. Hein. Il y aura un peu d'attente. Donc là, ils ont poussé un cri d'alarme, hein, c'est ça. Il y aura un peu d'attente avant que les experts ne leur disent non, mais c'est bon, quoi, c'est n'importe quoi. Hein. Écoutez, voilà, c'était vraiment un appel à la haine. Hein. C'était vraiment la haine. Mais ça va être solutionné, tout ça. Donc, si jamais Abby regardait ce tirage, il faut qu'elle soit rassurée. Ouais. Ok. Bon, bah écoutez, ces gens-là. Ces gens-là ont un comportement de ça. Hein. Assez amusant parce que. Alors, je n'ai pas été trop regarder ce que ces deux personnes-là, ou ces trois personnes-là disent. Mais j'ai quand même entendu des petites choses. Ce sont des gens qui cassent du sucre sur le dos des personnes qui font de la voyance pour justement en critiquant les personnes qui font de la voyance en leur disant oui, vous êtes trompés, nous on avait tout bon, vous êtes nuls. Enfin bref, voilà ce genre de discours. C'est un peu racoleur. Ça veut dire regardez, les autres sont nuls, venez vers nous. C'est à ça que ça me fait penser. Sauf que Death Hand, c'est une impasse. On va regarder quand même. Alors, j'ai pas vu de dédommagement financier, pardon. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas. Hein. Mais en tout cas, c'est pas sorti. Mais j'ai qu'une carte d'argent dans ce jeu-là. Donc, c'est peut-être pour ça. Hein. Intimider. Oui, donc c'est ça en fait. Ils font de l'intimidation, exactement ce que j'étais en train de dire. Et regardez, ils sont nuls. Ils sont tous plantés. Nous, on est bien meilleurs. Voilà, c'est vraiment ça. C'est du racolage. C'est du racolage. C'est exactement ça. Par la peur aussi. Hein. Par la peur. Ils essaient aussi d'intimider les autres personnes qui font de la voyance en disant, non, mais taisez-vous, vous dites n'importe quoi. Mais voyez que tout ça conduira à une impasse. Bon. Donc, j'en profite d'ailleurs pour dire que quand on est dans la voyance, on se plante. Si on savait toujours tout, on serait Dieu, hein. Donc, c'est pas possible. Je sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais j'avais une excellente amie qui m'a d'ailleurs un petit peu initiée à la... Non, qui m'a initiée à la voyance, qui était médium de naissance, qui me disait qu'elle entendait des voix tout petites, etc. Elle avait des vrais flashs, etc., etc. Donc, on est devenus amis parce que j'étais pas du tout intéressée par ses dons. Et pour elle, bien, c'était un petit peu... C'est quand même agréable d'être avec quelqu'un, d'avoir un lien d'amitié avec quelqu'un qui voulait pas toujours se dire « Alors, d'alors, qu'est-ce que tu peux me dire? Qu'est-ce que tu peux me dire ?» Enfin, bref, on a noué un vrai lien d'amitié. Et ben, ça lui arrivait de se planter. Bien sûr, elle s'est plantée, ça lui est arrivé. Donc, c'est pas du tout une question d'être bon ou d'être pas bon. Il faudrait arrêter avec ça. C'est simplement que, parfois, on est bien connecté. On a l'intuition qui est bien, bien en éveil.
C'est comme comment dire, c'est comme quelque chose qu'on aiguise en fait. Il y a des fois, bah, c'est un peu émoussé, puis il y a des fois, bah, ça y est, on capte l'information, hein. Et ça dépend vraiment, bah, de notre état de santé, de notre état de fatigue, de nos pensées, etc., etc. Donc c'est ridicule de dire, ouais, vous êtes nu, vous avez pas vu. Mais on peut pas, c'est impossible. Ou alors faudrait Dieu, mais est-ce qu'on est Dieu, nous? Non. Donc il y a beaucoup d'arrogance de l'autre côté aussi, hein. Donc ces gens-là qui sont dans ce discours-là, alors, je ne veux pas dire s'ils sont des bons ou mauvais voyants, ce n'est pas le problème. Mais en tout cas, ils ne sont pas du tout dans les valeurs spirituelles. La spiritualité, c'est la compassion et l'amour du prochain. C'est aime ton prochain comme toi-même et ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Donc, ces gens-là n'ont pas compris. Donc, pour moi, voilà, c'est du racolage. Bon, ah, c'est rare que je critique les autres personnes, mais là, il faut dire quand même les choses telles qu'elles sont, hein. Je trouve qu'on peut ne pas être d'accord avec les tirages d'une personne ou d'autre, c'est normal, c'est bien, c'est notre libre arbitre, mais il y a la façon de le dire. Moi, je ne suis pas toujours d'accord avec les cartes qui sont sorties par d'autres personnes, mais je respecte complètement leur tirage. Voilà. C'est tout. Et d'ailleurs, généralement, je ne poste rien. Parce que les cartes en main appartiennent à ceux qui tirent les cartes. C'est vraiment incroyable ces gens-là. Alors, une dernière carte. Le tirage de divine essence ici. Une dernière carte pour caractériser, pardon, ces personnes-là. Comment sont-elles? On avait déjà sorti le serpent, mais enfin bon. Qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à ces gens-là? Je recoupe pas encore une fois. Alors, il y a les questions de communauté, de maladie et de violence. Bon, ok. C'est marrant, on retrouve encore les côtés médical. Hein. Alors, ces gens-là, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Qu'est-ce qu'on peut dire? Aider, ouais. Homme, ah, tiens, c'est un homme qui sort. Ah, bah tiens, il doit y avoir un homme homosexuel, d'ailleurs, qui fait partie de. Oui, d'ailleurs, il me semble qu'il l'est. Hein. Oui, il y a un homme qui. Dans les deux personnes que j'évoquais, il y a un homme. Bon, bah lui, voilà, il est plutôt violent, hein. Il est plutôt violent. Alors pourquoi est-ce que j'ai la carte médicale qui sort? Je ne sais pas. On va regarder. Parce que j'ai deux personnes. J'ai une femme blonde. Je pense que vous la connaissez. On va pas la nommer ici. Et l'autre, c'est un jeune homme. Et je crois qu'il est comme ça. Il est homo, hein. Mais il est violent. Donc là, j'ai demandé qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ces deux personnes. On va regarder. Peut-être que la première carte parle de la blonde et que l'eau, là. Regardez un peu ce que c'est. Il y a un mauvais temps. Ok, ici et là. C'est quelqu'un qui tend la main. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces deux personnes-là? C'est curieux, hein? Je crois que j'ai sorti les deux, en fait. Il y en a une qui est là et l'autre qui est là, à mon avis. Esclave. Aider esclave. Bon. Alors, la première, c'est la blonde, hein? Je pense que vous retrouverez qui c'est. Son prénom commence par un L, comme ça, voilà. Elle, en fait, aidée esclave, eh ben, je dirais bien que, il y a une nette volonté d'asservir sous le discours de vouloir aider, pardon, excusez-moi, aider les personnes, hein, aider, en plus ça va très bien, hein, parce que c'est aider et supporter, dans le discours de vouloir aider des gens, eh bien, en fait, elle tient à les rendre esclaves. Éventuellement, alors le mauvais temps, ben, comment est-ce qu'on pourrait comprendre ça? Le mauvais temps, c'est les mauvaises nouvelles aussi ou les problèmes. Donc, par rapport peut-être aux problèmes évoqués, je pense que c'est ça, eh bien, sous couvert d'aider, elle veut plutôt rendre les gens esclaves. Et lui, là, ben plutôt, alors, il peut y avoir des problèmes de santé d'ailleurs en ce qui le concerne, hein. C'est assez curieux. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est quelqu'un qui est violent. C'est aussi quelqu'un qui est plutôt dans la demande, hein, qui est en train de dire, ben, donnez-moi, donnez-moi, donnez-moi. Hein. En gros, c'est ça. Hein. Et ça, c'est la vérité. Ça, c'est son vrai visage. Donc, c'est quelqu'un, bon, ben, qui est comme ça. Je ne juge pas, hein, c'est pas le problème. Mais je crois que ça le caractérise. C'est pour ça que le jeu me dit, ben oui, on parle bien de lui. Il doit y avoir un problème de santé. Je ne sais pas pourquoi attendez, j'ai le cas du médecin. Alors, est-ce que ça peut être en fait le côté, on investigue, on va regarder pourquoi j'ai le médecin, ou alors c'est qu'il a un problème de santé. Ça peut être mental aussi, hein.
Mais ce qui est sûr, c'est que lui, il est en position de demande. Il cherche à ramener les gens vers lui, hein. Ouais, il cherche à les attacher, justement. Mais il n'y arrivera pas. Donc ça veut dire qu'en critiquant les personnes, on va dire, bienveillantes et Abby, elle a fait énormément de bien à sa communauté en étant toujours là, en étant conviviale, en faisant des tirages, etc. C'est incroyable le bien qu'elle fait, hein. Et en fait, il y a beaucoup de jalousie, mais à mon sens, on a pas trop la jalousie qui est sortie. Je sais pas si vous avez vu, sauf les questions des moutons. C'est plutôt en fait les prises de position de Abby qui est là, qui ne passe pas du tout, du tout. Et ça les embête beaucoup, beaucoup. Mais du coup, ce que je voulais dire. Excusez-moi. Mais bon, là, à mon avis, si on revient à ce jeune homme, j'étais en train de dire, est-ce qu'il investigue? Maintenant, moi, je pense qu'il y a un problème de santé en ce qui le concerne. Je ne sais pas pourquoi. Il y a un truc. Et je pense que c'est mental. En fait, il devrait se faire examiner, en gros, c'est ça. Il devrait aller se faire examiner. Hein. Ouais. Bon, là, parce qu'il est quand même assez violent. Hein. Il est très agressif, en fait. La violence, c'est pas physique. Hein. C'est l'agressivité ici. Il y a un problème. C'est pas normal d'être agressif à ce point-là. Mais ce qui est sûr, c'est que il ne va pas réussir, finalement, avec ce discours-là, à ramener les gens vers lui. En tout cas, ce ne sera pas des gens qui seront une aussi belle communauté que vous l'êtes ou que les celles d'Abby. Ça, c'est clair. Et de l'autre côté, pareil, hein, sous le couvert de vouloir aider les personnes, eh bien, elle veut rendre les gens esclaves. Hein, donc, bon, on va demander une petite carte pour Abby maintenant. Est-ce que Abby va aller mieux? Mais à mon avis, ces gens-là vont pas arriver à leur fin. Vous avez vu, hein, il y a le retour de bâton. Hein, et on va les rappeler à l'ordre. Alors, est-ce que notre Abby nationale va se sortir de tout ça? Alors, la salle de bain. Ok, le soutien, l'aide. Alors, je sais pas que c'est des personnes âgées, donc c'est pas du tout par rapport à Abby. Hein. Donc, mais là, il y a une espèce de soutien, là. Des discussions, dépendre d'eux. Ouais, bon, ben, va falloir qu'elle nettoie tout ça. Hein. Alors, mettre à nu, être sans défense. Ouais. Alors, d'une part, eh bien, va falloir d'abord qu'elle prenne soin d'elle. Hein. C'est la salle de bain, c'est l'endroit où on prend soin de soi. Donc dépendre bah, déjà de ça, hein, d'aller nettoyer tout ça, d'évacuer en fait, hein, on évacue, etc. Donc il y a tout ça, le nettoyer tout ça. Et il y a le fait aussi que sa communauté elle a besoin d'elle. Hein. Nu, c'est aussi quand on est sans défense, j'aurais dû le marquer sur la carte. Hein. Donc les gens ont besoin d'elle. Donc à mon avis, elle reviendra à vie. Mais on va devoir attendre qu'elle évacue tout ça, qu'elle nettoie tout ça. Ouais. Voilà, Abby, l'arc-en-ciel pour toi. Ça va aller. J'espère avoir une bonne carte sur l'arc-en-ciel. Victime, bah oui. Ouais, c'est clair. Elle a été victime. Mais d'un autre côté, il y aura bien une amélioration, donc un arc-en-ciel, donc les choses vont se tasser. Voilà. Bon, bah, je vais vous laisser. C'était vraiment un petit tirage, simplement pour voir pourquoi ces gens-là étaient tellement mauvais. Mais il y a quelque chose, par rapport au médical qui ne passe pas et qui a fait que bah, ils ont envie de dénoncer. C'est incroyable. On est vraiment dans une guerre piquée contre non piquée. Enfin, excusez-moi de parler comme ça, mais enfin, c'est ça. Hein. Il n'y a pas de lieu d'être. L'ennemi, il n'est pas là. Hein. Mais il y a aussi, alors, j'ai pas parlé de la jalousie. Est-ce qu'il y a des questions de jalousie aussi de la part de ces gens-là? Parce que moi, ça m'étonnerait pas. Ouais, il y a des choses cachées encore. Des mesures. Ouais, mais c'est ça, leur audience. Hein. Ah ouais, non, mais c'est ça. Regardez. Attendez. Je la mets dans le bon sens, comme d'habitude. Ça, c'est les abonnés qui augmentent. Alors, les leurs, elles doivent descendre. Si on met dans l'autre sens, ça augmente. Hein. C'est pareil, on peut prendre la carte dans un sens ou dans un autre. Mais là, il y a vraiment le nombre d'abonnés. Et ça les embête. Leur nombre d'abonnés à eux qui doit stagner ou qui doit descendre. Et vous voyez, et ça, ils ne le disent pas. Hein. C'est caché. Et du coup, ça les embête. Bon, pour moi, il y a une question de jalousie aussi. Mais vous voyez, en fait, il n'y a pas que les questions de jalousie. Alors, comique. Ouais.
Habitude, ouais, donc c'est ça stagne, hein, ça monte pas. Ouais, il y a de la lassitude. Alors, comique, c'est drôle aussi, drôle. Ah, ben si, voilà, ridicule, j'ai marqué là. Ridicule. Alors, ridicule, ouais, Abby, oui, en fait aussi, c'est aussi ça. Hein. Il considère aussi que ce que fait Abby est ridicule, par exemple. Donc, il y a beaucoup de critiques par rapport à ses tirages. Ouais, non, mais ils sont complètement dans l'ego. Hein. Aussi, je pense aussi de leur côté que leur nombre d'abonnés bah, descend ou stagne. Il y a un truc là. Et du coup, ça les énerve. Donc, ils sont assez lassés par cette situation aussi. Donc, il y a de la jalousie très nettement de ce point de vue-là. Puisque, au contraire, le nombre d'abonnés de la part de Abby augmente, hein, si je me trompe. Voilà. Et c'est vraiment ce qu'ils veulent. Hein. Ils veulent trancher. Hein. Vous savez qu'ils sont méchants. Hein. Ils sont vraiment méchants. Hein. Ils n'ont pas compris que... voilà, donner. Ouais. Ouais. Ils veulent vraiment, vraiment trancher. Hein. Donner le coup de grâce, j'ai eu dans la tête. Hein. Ils veulent donner le coup de grâce et trancher. Vous voyez? Bon. Donc, c'est aussi de la jalousie. Et c'est par rapport, vraiment, vraiment, par rapport à un nombre d'abonnés, alors qu'ils, de leur côté, baissent et que du côté d'Abby, augmente. Voilà. Donc, il y a bien des questions de jalousie. Et ben, vous avez tout compris. Hein, pourquoi est-ce qu'il y a eu tellement comment dire, ce harcèlement, voilà. Ces menaces, etc. Et ces dénonciations. Les explications, elles sont là. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir regardé. J'espère que j'ai pu apporter un petit éclairage. Et de toute façon, eh bien, on va faire des petites prières et envoyer plein de pensées positives pour que Abby, donc, sorte de sa salle de bain. Voilà. Qu'elle soit clean, qu'elle soit nettoyée de toutes ces saletés que ces gens-là lui ont envoyées et qu'elle revienne en pleine forme pour sa communauté qui l'attend, qui se trouve un peu sans défense, hein, nue, c'est sans défense, et qui l'attendent. Voilà, bah écoutez, je vous fais la bise et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.